Hey mes petits Informers, ici AnisieBH et bienvenue sur Devenir YouTuber. J'espère que vous allez bien et que vous profitez des vacances pour tourner plein de vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça ou encore ça en 10 secondes. Oui, vous avez bien entendu, en 10 secondes et ça juste avec votre téléphone. Simple, rapide, efficace. Bon, je sais que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, c'est pour ça que je reviens aujourd'hui avec un tuto lourd. Donc, premièrement, est-ce que vous avez une différence de son? Parce qu'aujourd'hui, j'utilise, voilà, le petit bail Saharmonic qui est pour moi le meilleur micro pour téléphone. De toute façon, la semaine prochaine, dans 2 semaines, je vous ferai une review complète sur ce micro. Et j'espère aussi pouvoir réussir à en faire gagner un, parce qu'il coûte un peu cher quand même. Donc, c'est parti pour le tuto, mais avant ça, comme d'hab, la petite intro. Pour la MIF, c'est très simple. La première chose à faire, c'est tout simplement vous filmer. Donc, filmer la vidéo que vous voulez transformer en GIF. Donc, vous allez dans la caméra. Admettons, si c'est pour vos stories, vous voulez faire des swipe-up ou les trucs, je vais vous montrer un petit peu le bail. Donc, voilà, on fait une petite vidéo bidon. On fait. Plus on passe pour un gogol, mieux c'est, comme ça les gens ils rigolent et swipe up. Donc soit vous filmez vous-même en mode selfie pour les stories, soit vous demandez à un ami de vous filmer. Donc là c'est moi, je vais le filmer. Assieds-toi là. Hop. Fais en mode genre mets un like, tu vois pas. Okay. T'es prêt? Attends. Par contre quand vous filmez, faites attention parce que ça prend que la vidéo. Donc essayez de pas coller vos coups de bras au bord du téléphone. Il faut vraiment prendre la distance pour que quand vous allez enlever le fond, il y aura tout votre corps. Donc on prend de la distance. Alors tac. Est-ce que tu peux mettre ta main comme ça? Quand je dis prenez de la distance, c'est vraiment de la distance. Hein. Là c'est good. Parfait! En direct. Bon, vous avez vu mes amis comment ils sont pas cool. Hein, mon ami. Donc voilà, une fois que vous avez votre vidéo, c'est très simple. Vous allez sur Google et vous tapez Unscreen. Le site c'est unscreen.com. C'est simple, c'est le premier lien. Ensuite, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur Upload Clip. Ensuite, vous allez dans votre bibliothèque de votre téléphone et vous choisissez tout simplement la vidéo. Moi j'ai pris celle que je viens de faire avec Kirk. On clique ensuite sur Choose. Et là, l'application, le site est magique. Il va tout faire tout seul. Vous n'avez rien à faire. Fini les fonds verts, fini les trucs compliqués, fini les logiciels de montage, tatati, tat. Hey, un site internet, une vidéo que vous faites avec votre téléphone et bim, en 10 secondes, vous avez votre GIF animé. Regardez-moi ça. Le résultat n'est-il pas magnifique? Si, super. Et ensuite, vous pouvez utiliser ces vidéos sur Instagram, en story, sur Snapchat. Vous pouvez les mettre dans vos vidéos YouTube. Voilà, faire apparaître un petit cœur comme ça qui te dit « Mets un like si le tuto t'a plu ». Un deuxième cœur qui vient aussi qui te dit « Mets un like si la vidéo t'a plu ». Un cœur sur mon front. Bref, vous avez compris, vous pouvez utiliser ça partout. Donc, une fois que la vidéo vous a plu, vous avez juste à cliquer sur « Download », hop, « GIF ». Ensuite, download, hop, vous il sera écrit télécharger, c'est parce que Kirk qui fait l'anglais, mais en anglais. Ensuite, en haut à droite, vous avez une petite flèche pour ceux qui sont sur iPhone. On reclique sur le fichier, voilà. Et ensuite, tout en haut, il y a le symbole de partage, on clique dessus. Vous cliquez sur save image, enregistrer l'image en français. Et voilà, c'est enregistré, vous l'avez sur votre téléphone. Ensuite, vous pouvez le mettre sur vos vidéos YouTube et vous pouvez aussi le mettre sur Instagram. Voilà, 10 secondes, c'est terminé. Ensuite, vous pouvez le mettre comme je vous ai montré, soit dans vos vidéos, soit dans vos stories. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, pour le mettre sur mes Instagram stories, il n'y a pas besoin d'être un influenceur, pas besoin d'être vérifié, certifié, patati patate. Non, une technique toute simple qui prend 1 seconde. Donc, si vous aussi, vous voulez mettre vos têtes sur vos stories en mode like, swipe up, regarde ça, bref, faire plein de délires marrants tout seul ou avec vos potes,
vous avez juste à me le mettre en commentaire. S'il y a beaucoup de commentaires et vous êtes nombreux à me demander à vous faire ce tuto, la semaine prochaine, je vous ferai un tuto comment faire ça sur Instagram. Ensuite, si vous voulez savoir faire exactement la même chose avec une photo, enlevez le fond d'une photo en 2 secondes. J'ai déjà fait un tuto. Hop, il y a le i qui s'affiche. Vous avez juste à cliquer. Voilà la mif. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, lâchez-moi un gros like. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse le tuto par rapport à Instagram. Ensuite, la mif, n'oubliez pas, si vous avez des questions que vous voulez me poser personnellement ou si vous voulez discuter avec d'autres youtubeurs pour faire des collabs ou vous entraider les uns les autres, il y a le Discord dans la description. On tape des barres à chaque fois, je viens, je parle avec vous en vocal. Ensuite, la mif, une petite dernière chose, est-ce que les épisodes de la Hesse au succès vous ont plu? J'ai vraiment envie d'avoir des retours de votre part. Je vous mets les liens dans la description. Allez sur la chaîne Anis GBH et regardez les vidéos. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Voilà la mif, c'est tout pour moi. Si vous m'avez découvert à travers cette vidéo et que vous voulez vous améliorer sur YouTube, gagner plus de vues et plus d'abonnés, c'est très simple. Vous avez juste à vous abonner ici. Vous cliquez sur ma grosse tête qui s'affiche. Vous activez les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'hab.